Salut à tous, c'est Kemkade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Adrien, Collection Geek. Comme j'avais prévu dans la dernière vidéo, on fait un petit duel en espérant que cette fois-ci je vais prendre enfin ma revanche sur ma chaîne. Donc il y aura une vidéo sur ma chaîne et il y aura une vidéo sur sa chaîne. Comme ça, voilà, on a les deux. Moi j'ai. Ça c'est celui-là aussi. Ça c'est le mien. Ça c'est le mien aussi. Donc ça sera sur la chaîne d'Adrien avec. Du coup, son tripack à lui. Au moins, on a deux battles différentes et ça fait un petit peu plus de contenu. Voilà, au moins, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. On s'est dit, voilà, pourquoi pas faire sur les arènes. Ce serait plutôt pas mal. Ouais. Alors, on part sur le tripack de Torgarmor. Comment ça s'appelle Torgarmor, tout simplement. Avec l'arène de. Comment ça s'appelle Skifford. Skifford. Et moi, j'ai l'arène de Pringri. Donc, il faut savoir qu'en termes de type, la plante l'emporte largement sur l'eau. Donc, je suis censé gagner. Tu vas pas commencer, je te jure, parce que sinon je vais m'énerver. Tu vas voir, parce que des fois tu peux avoir des surprises. Hein. Tu peux quand même avoir des surprises. Ah, t'as ouvert quand même des tripacks. J'ai eu une full art. Bah, sur le vert aussi, j'ai eu un full art. J'ai ouvert le rouge, j'ai eu une habille. Ah. Oh, bah, il y a Yuki qui est juste derrière vous, la caméra là-bas. Alors, encore une fois, j'ai oublié, mais c'est. Oup là, génial. Pas grave, après ça va être en balai. Bon, celle-ci elle est pas mal hein, quand même. J'ai bien reflet au niveau de la carte. Voilà, petit zoom, petit macro. On a le petit pince donc qui va avec. Voilà, donc l'arène de type pro. Je sais pas ce que t'en penses, je trouve que c'est trop cool d'avoir mis les badges d'arène en pince. C'est la première fois qu'on en voit de façon. Mais en fait, quand tu joues au jeu, en fait tout le jeu il est articulé autour de ça, c'est ce qu'on cherche à avoir, les badges d'arène. Et c'est trop cool du coup de les avoir en tête. Il n'y avait pas de code là, j'allais dire, putain, c'est abusé, c'est pas mal. Bon, par contre, j'ai deux méga Charmy. Méga Charmy, putain. Charmy VMAX. Mais non, mais moi, en fait, je suis trop bloqué sur les méga évolutions. En fait, je veux trop qu'il y ait encore des nouvelles évolutions. Du coup, je dis méga. Et Ixon de Gala. Ixon et Charmy, ça m'a pas porté bonheur jusqu'à présent. Ah. J'aurais quoi, moi? J'aurais. Ta Gardevoir et ta Gardevoir. Deux Charmy et un Gardevoir. Ah, t'as deux Charmy et Gardevoir. Moi c'est Torgarmor et Gardevoir qui m'ont porté chance pour l'instant. Bah, c'est là où j'ai eu. Je vous invite à aller voir ma vidéo où je pète un petit peu mon câble sur cette vidéo, mais bon, voilà. C'est ce que je lui disais avant la vidéo, j'ai très peur parce que c'est moi qui lui ai pick up les deux tripacks et j'ai très peur qu'il ait une bonne carte parce que ça veut dire que c'est moi qui les aurais achetés entre guillemets et au final. On commence tout de suite avec Gripad. De toute façon, on commence à connaître les cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans cette série. Il n'y en a que 73. Donc, à un moment donné, enfin, on fait le tour. Par contre, j'ai pas encore de McConnor holographique. Ah, je dois l'avoir. Et j'ai pas encore je crois qu'il me manque Scolosand Holo et McConnor Holo. C'est tout. Après, au niveau Reverse, je complète bien aussi. J'ai tout aussi. Moi, il me manque que des Ultras. Chacripant, Bagiguan, on a Pokéball, Lignon de Galar, Énergie de type électrique, Conserve douteuse, Hyper Potion, Sepiatros, derrière. Oh, on a Nabil en reverse. Est-ce qu'on a Nabil en foulard derrière? Mais non, il y a un truc. C'est une V. C'est une V. Déjà, c'est une V et c'est fait l'enfer. Oh non! Je crois que je vais pas ça. Pas celle-là! C'est vraiment la seule carte que je veux pas dans cette série et je l'ai. Parce qu'en fait, il y a aussi Lucario. Je me suis rendu compte qu'il y avait Lucario. Tu l'avais déjà, ça? Non. Ah bah voilà, c'est déjà bien. Bah c'est déjà bien, ça complète, mais c'était la carte que je voulais pas. Parce que j'aime pas faire l'inferno. Franchement, c'est bien une. C'est bien un Pokémon que je comprends pas. C'est un chaton. Un chaton qui combat. C'est comme si on disait Yuki va devenir un chaton de combat. C'est un grand guerrier, Yuki. Qu'est-ce que tu dis? 1, 2, 3, 4. Quand tu m'envoies des vidéos de ton chat qui va dans un carton Amazon pour dormir ou je sais pas quoi, le guerrier. C'est un grand guerrier, il se repose. Un grand guerrier doit se reposer aussi, c'est vrai. Par contre, je crois qu'il y a encore quelque chose. Je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois que j'ai dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Attends, alors, on a Goupilou, Abo, Carvana, on a Tilton. Nous avons Goupix, une énergie de type plante, Sbire de la Timielle, Travis, Charpedo. Est-ce que je vais enfin gagner face à Adrien? Conserve douteuse. Ah, merde, Reverse. Ah, Rosemary. On a vu. J'ai vu un truc noir. Mais moi aussi, j'ai vu un truc noir. C'est les ombres en fait, je pense. Mais je pensais aussi. Je me suis dit, pas merde.
Mais des fois, ça te prank, hein. Un booster te prank. Ou alors, c'est comme, tu sais, la vidéo qu'ils ont publiée récemment sur Twitter, là, avec les cartes. Tu sais, c'est... en fait, ils ouvrent un booster et genre, ça... Il y a les Pokémon qui sautent à travers la porte. Enfin, c'est Ludo qui m'a envoyé la vidéo. Ah, j'ai pas vu. Donc, je te tag dessus. En gros, c'est... Il y a tous les Pokémon. Et ils traversent la porte et ils vont dans les boosters. D'accord, ok. Donc en fait, c'est ça. Ils ont dit, ah, vas-y, ils ont vu que j'étais là, je vais repartir. C'est ça qui se passe, ouais. Mais franchement, trop mignon. Mais après, le gamin, il était heureux parce qu'il y avait Magikarp. Si tu vois un drac au feu aller dans mon booster, c'est bien ça. Écoute, ça c'est bien aussi. 3, 4, 1, 2. Il y a aussi, comment ça s'appelle ? Il y a aussi la conserve douteuse en secrète. En gold, ouais. C'est la seule gold de la série. Je la trouve pas. En plus, j'ai l'impression qu'elle tombe assez souvent. Moi j'aime beaucoup les objets en gold. J'adore ça. Je trouve qu'elle tombe assez souvent. Bon après, j'ai pas envie de la voir. Au choix entre un drac au feu et une conserve douteuse, ou alors j'aimerais bien une méga garde-voix. Enfin, ah, méga garde-voix. Garde-voix VMAX. En shiny ou même en V, il y a la VMAX, ouais, en normal. Il y a la VMAX. Il y a la normal. V et la VMAX, ouais. Pokéball, Gripat, Zigzagon de Galar, Bagiguan, Rocabo, énergie de type O, Sharpedo, Peterson, Chapotus. S'il te plaît, quelque chose. Tout à l'heure, je t'ai vu toucher, il y avait quelque chose ou pas? Non. Si, oh, il y avait quelque chose. Oh non. Me dis pas que c'est ça. S'il vous plaît, me dis pas que c'est ça. Me dis pas que c'est la shiny. Vas-y, montre. C'est ça. Tout doucement. C'est ça. Putain. Ah non, putain, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Ah. J'ai trop peur. Ah, je commençais à avoir chaud, les gars. C'est pas possible. J'ai eu trop peur. En fait, j'ai vu que c'était gris, tu vois. Et j'ai moi vu aussi, le scroll, j'ai fait, c'est pas j'ai possible. J'ai vu du gris et du noir, j'étais pas bien. Non, parce que, en fait, ça peut paraître un petit peu dégueulasse, ma réaction, mais il faut savoir que c'est des cartes que je veux. Et imaginez-vous à ma place, je l'achète, le pack, et c'est lui qui chope la carte, c'est terrible. Parce que je lui ai aussi pris ce coffret-là. C'est ce que j'avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est que j'ai pris ce coffret-là pour lui. Voilà, donc en fait, on s'est fait des petits pick-up. Voilà. Et le truc, c'est que si... Je serais content pour lui, mais ça aurait pu vouloir dire aussi que je l'aurais eu. Mais putain, par contre, elle est cadrée, elle est tellement mal cadrée. Bah, au moins, tu l'as, c'était une carte que tu voulais, ça. Bah, je l'ai déjà. Ah, tu l'avais déjà ? Ouais. Celle-là, je l'ai eu déjà. Bah, je l'ai eu dans la première ETB. Ça va, en vrai, t'as un bon tripack. Hein. T'as une V, une V max, une V et une V full art. Ça sent la victoire pour une fois. Je dis ça, je dis rien, moi je sens la victoire. Est-ce qu'il va avoir un meilleur truc que moi? S'il a une secrète, j'ai même pas envie de dire s'il a une secrète. Il va pas avoir une secrète. Il va avoir un tirage de merde, s'il vous plaît. Bon, après, j'espère pas pour toi, mais en même temps, j'ai envie de gagner battle. Pour une fois. C'est une battle. Je commence à ouvrir, moi. Donc on va échanger et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, c'est ouvert. Alors c'est pas mon setup, hein, je vais faire de mon mieux. Le petit pins du stade de Greenbury, ça c'est trop cool. Donc, soit l'autofocus au même moment, c'est ça. Okay. Parce que, en général, des fois ils font pas l'autofocus, donc il faut juste taper sur. Ça marche. Donc la blanc coton avec une belle brillance. Elle est super belle. J'aime bien. Enfin, en vrai, j'aime beaucoup la brillance qui de comme ça. Tu vois. Les brillances petits points en holo, c'est vraiment la base. Trois boosters, donc deux Charmy et le Gardevoir VMAX. Et je crois que j'ai eu les deux ultras dans les Charmy, non? Il me semble en plus, ouais. On va faire un sur deux, comme ça. Très belle. Allez. Premier Charmy. J'ai la pression, ça. En vrai, j'ai la pression parce que, outre le fait que je cherche des cartes dures à avoir, t'as aussi le fait de gagner la battle. Ouais. Donc, moi, j'enlève toujours l'énergie. Oh putain, t'es trop fort. Moi, j'arrive jamais. Putain, trop malin. Voilà, ça se met dans le. Voilà, total soin. Gripat. Chaque ripant, celle-là, il me semblait l'avoir déjà vue, cette carte-là. Mais oui, en fait, il y en a plein que je trouve qu'on les a déjà vus, mais je sais pas comment, en fait. De mémoire, c'était Vigueur Spectrale, et je suis allé vérifier, et non, c'était pas cette série-là, donc je sais pas où est-ce que je l'ai déjà vue. Mais oui, mais il y en a plein. Enfin, c'est comme le... Je sais plus, une autre carte. Que j'arrête pas de dire que j'ai déjà vu, mais non. Ah bon. Bon, Potion, on va dire... Potion, on l'a déjà vu, mais... Voilà. Depuis des années. Match Hopper, Peterson... C'est Piatros. Ah, ça c'est bien. Une belle énergie reverse qui veut dire qu'il y a un drac au feu derrière. Non, c'est Rosemary. T'as eu Rosemary aussi, donc pour l'instant pas de pression. Il y a un bout de booster.
Allez, le garde-voir VMAX, lui va être bien. Celui-là. C'est le garde-voir. Garde-voir, moi j'ai toujours eu un truc. Bah, j'ai eu Torgar Mort. Hors vidéo, j'ai eu un Torgar Mort full art, justement dans un booster de garde-voir. Ça va aller. Allez. La potion encore, total soin. Mais c'est des communes en fait, les. J'aime même pas. C'est des communes, ouais. Charby, Machoke, j'aime trop cette carte, Machoke. Gripat, le Nabil que j'ai eu en full art deux fois. Dardarnian, Motismart, le Chakripan, Uncommon Reverse. Non. Non, mais non. Ah, full art. Non, ça... Putain, on a des pressions de ouf. Mais ça en plus, je sais. Non, je sais, elle est pas Florida. Ça va être Krakos et je l'ai déjà et elle est pas très belle. Oh. Aïe. Mais c'est déjà une full art. Je suis content quand même. Bah, après, si tu veux t'en garder mort et que moi j'ai pas Krakos. Ouais, carrément. On peut négocier, il n'y a pas de soucis. Hein. Carrément, bah, moi ça me fait de la monnaie d'échange dans tous les cas. Bon, là, bah, en fait, il faut qu'on arrête de se mettre la pression dès qu'on voit du gris. Mais c'est ça. Toutes les cartes, elles ont du gris. Avec le... Mais c'est ça. C'est fou. Ça me stresse. Bon, en tout cas, on a eu des bons packs, dans tous les cas. Franchement, ouais. Allez. J'ai l'impression que dans les petits packs, il y a quand même pas mal plus de chances que dans les autres. Enfin, dans les ETB, après, le ratio, il est énorme, quoi. Parce que... Mais tu sais qu'il y en a qui ont eu des ETB où ils ont eu des boosters avec genre 5 énergies. Des boosters buggés. Genre 4 boosters, ils ont 5 énergies. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, quand même. Non, c'est abusé. Moi, j'ai eu des très bonnes ETB et j'ai eu une ETB dégueulasse avec juste une Florizarre V. Et ça nique mon ratio du coup. Ouais, ça c'est joli. Tilton, Sepiatop, Bibichute, Coconfort, Rocabo. Il faut que j'ai une V et c'est une égalité. Non. Nabil, Chapotus, Sonia. Non. La doublette en reverse. Mm-hmm. Par contre, ça doit être Maconeur. Ah non, Lugarok. C'est une victoire. Aïe aïe aïe, le type plante s'est fait avoir par un type pot. Et voilà, toujours encore en typo. Putain, j'ai enfin gagné. J'ai enfin gagné. Bon, on peut ne pas tourner la deuxième vidéo si tu veux. Comme ça, au moins. Pourquoi ? Parce que t'as peur de perdre sur ma chaîne. C'est ça, j'ai peur. Non, mais là, regarde. Non, franchement, en plus, c'est quand même la plus. Moi, je trouve que c'est quand même une des plus belles. Bon, après, hors, je veux dire, hors les petits Dracaufeu, machin et tout ça, c'est quand même une des plus belles full art de la série. Ouais. Je trouve carrément, qu'elle est trop belle. On a eu des beaux packs en vrai. Bon, après, Rosemary, elle tombe tout le temps, j'ai l'impression, Rosemary, par contre. Ouais, bah, en même temps, il y a tellement peu de cartes que du coup, on tombe souvent sur les mêmes. C'est peu de cartes. Bon, après, c'est une mini-série, donc de toute façon, c'est normal qu'on tombe plusieurs fois sur les mêmes holos. Mais Maconure, moi, j'arrive pas à la voir. On verra ça après. Ouais. Bon, j'espère en tout cas que cette petite battle vous aura plu, parce que moi, j'ai gagné, donc du coup, voilà. Je suis content, moi, je suis très très heureux. On se retrouve de toute façon sur la chaîne d'Adrien et pour une prochaine vidéo sur ma chaîne également et sur sa chaîne. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Ciao!